Urge, la défense russe met en garde contre une fausse interprétation du briefing sur l'île 20. Urge, Israël réagit aux conclusions de la défense russe sur le crash de l'île 20. Restaurer la dignité nationale, la boutique Enlis est lancée en ligne. Non, il ne s'agit pas d'une erreur typographique. De nombreux produits marqués « Enlisée » sont désormais disponibles sur la « boutique officielle du ruissellement ». Inspiré par la présidence française, un groupe de jeunes français a lancé sa propre boutique en ligne. Il propose une trentaine de produits à des prix beaucoup moins élevés que les souvenirs vendus par l'Elysée. Leur gamme de produits inclut, par exemple, un t-shirt champion du monde à l'effigie d'Alexandre Benalla, des vêtements ornés du fameux « Gaulois réfractaire » ou encore un mug « Travail pour te payer un costard ». Les prix oscillent entre 10 et 30 euros. À l'inverse de la présidence française qui utilisera les fonds récoltés afin de restaurer le palais et entretenir les résidences présidentielles, les initiateurs d'Enlisée ont l'intention de reverser leurs bénéfices aux associations qui viennent en aide aux migrants sur la côte d'Opale. Nous souhaitons participer à restaurer la dignité nationale plutôt que d'offrir un ravalement de façade à un vieux palais, peut-on lire sur le site d'Enlisée. De nombreux internautes ont soutenu cette initiative. @jaimeleçon1 septembre 16, 2018. Depuis le 15 septembre, la présidence française vend en ligne des souvenirs sous la marque Enlisée, créée il y a plusieurs mois. Elle commercialise également des expressions emblématiques du président français dont « croquignolesque » et « poudre de perlimpinpin ». La toile a critiqué cette idée, en jugeant qu'il était inapproprié de transformer la présidence à un fonds de commerce.